Du Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Le vin des noces venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : «
Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit, « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous pouvez vous asseoir un instant. Cette messe est célébrée à l'intention des bienfaiteurs de cette basilique Notre-Dame. Après cette messe, catéchisme pour les 12-16 ans dans la grande sacristie. Un prêtre se tient au confessionnal durant cette messe pour ceux qui voudraient recevoir le sacrement de pénitence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, depuis son origine, la fête de l'Épiphanie que nous avons célébrée il y a 10 jours, cette fête regroupe le souvenir de 3 événements bien distincts. L'adoration des rois mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana. Ces 3 mystères sont en effet des manifestations, en grec épiphanie, du salut que Dieu donne aux hommes en Jésus-Christ. Peu après son baptême, Jésus, accompagné de ses premiers disciples, se rend donc avec Marie, sa mère, à des noces. C'est là qu'il va opérer le premier miracle de sa vie publique. Saint Thomas d'Aquin fait remarquer que dans ces noces, considérées dans leur fait historique, une part du miracle revient à la mère du Christ, une autre part au Christ et une autre part encore aux disciples. En effet, et il nous faut le noter pour bien comprendre cet évangile, à Marie revient le soin de solliciter, de demander le miracle, au Christ de l'accomplir et aux disciples de l'attester. Ces 3 missions, ces 3 rôles, s'il est possible de comparer cet épisode à une scène qui se déroulerait sous nos yeux, ces 3 rôles sont donc bien distincts et cependant inséparables. Marie tout d'abord. Saint Thomas nous dit que c'est à elle que revient le soin de solliciter le miracle. À Cana, comme chaque jour de notre vie, Marie est celle qui intercède pour ceux qui sont dans le besoin. Marie est ici mère de miséricorde, car la miséricorde s'afflige du malheur ou du besoin des autres. Qui est faible que je ne sois faible ? Nous dit saint Paul, qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle. Ces mots de l'apôtre s'appliquent parfaitement à Marie, attentive à chacun. La mère de Jésus a donc, dans ce miracle, le rôle de médiatrice. C'est pourquoi elle accomplit 2 choses. Elle adresse en premier lieu une demande pressante à son fils. Puis elle donne des instructions aux serviteurs.
Elle fait ainsi le pont entre son Fils et les pauvres nécessiteux que nous sommes. La mère de Jésus lui dit donc, ils n'ont plus de vin. Remarquons son amour respectueux à l'égard du Christ. Saint Thomas fait encore remarquer que dans la prière que nous adressons à Dieu, il nous faut simplement lui présenter notre pauvreté. De quelle manière Dieu nous viendra en aide? Il ne nous appartient pas de chercher à le savoir, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est pourquoi la mère de Jésus présenta uniquement au Christ le besoin des autres, sans lui donner un conseil ou un ordre. Le rôle central, ensuite, c'est sans conteste celui de Jésus à qui il revient d'accomplir le miracle. Laissons de côté aujourd'hui la réponse de Jésus à sa mère, qui peut être traduite et interprétée de bien des manières, pour nous intéresser au miracle proprement dit. Nous pouvons le qualifier de trois adjectifs. Ce miracle est humble, généreux et annonciateur. Miracle humble, tout d'abord, car pour inaugurer sa vie publique, pour son tout premier miracle, le Christ ne choisit pas de réaliser un prodige éclatant, un miracle extraordinaire. Non. Répondant simplement à la demande de sa mère, il réalise un miracle qui n'était tout compte fait pas vraiment indispensable et qui finalement ne sera connu que de quelques témoins et non d'une foule importante. Ainsi, dans notre vie, les miracles opérés par le Christ sont quotidiens, et bien souvent, ils sont cachés. Pensons au sacrement. N'est-ce pas un miracle incroyable qui s'opère à l'autel où Jésus se rend réellement présent, ou au confessionnal où Jésus efface nos péchés? Mais tout cela sans bruit, humblement. Miracle généreux ensuite. Ce miracle de Jésus est surabondant. 6 urnes de pierre contenant chacune 2 ou 3 mesures, c'est-à-dire 600 à 700 litres de vin. Et à la demande du Christ, ces urnes sont remplies jusqu'en haut. Cette surabondance correspond bien à la largesse du Dieu créateur qui nous comble toujours à profusion. Miracle annonciateur, enfin. En opérant son premier miracle à des noces, à un mariage, Jésus annonce les noces éternelles, celles de l'époux divin avec l'Église, les noces de Dieu avec sa créature scellée sur la croix. La portée symbolique de l'eau et du vin est aussi évidente. Elles annoncent le baptême et l'Eucharistie. Le troisième et dernier rôle de cette page d'Évangile est celui des disciples, à qui il revient, selon saint Thomas, d'attester le miracle. Au-delà des disciples, c'est notre rôle, notre mission à tous. À Cana, Jésus manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. La foi
est donc bien ce que la contemplation du miracle doit provoquer dans le cœur de celui qui en est le témoin. Témoin des miracles que la grâce de Dieu opère chaque jour en nous et autour de nous, il nous faut, mes frères, professer notre foi et devenir ses disciples, c'est-à-dire témoins des merveilles du Seigneur. N'allons pas croire que c'est un rôle secondaire, un second rôle que Dieu nous confierait. Saint Thomas nous l'a bien dit, une part du miracle revient aux disciples, celle de l'attester. Alors c'est cette grâce, mes frères, que nous demandons aujourd'hui à Jésus, par l'intercession de Marie, qui a tout pouvoir sur son cœur sacré. La grâce que notre foi dans le Christ augmente chaque jour et que nous soyons ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Thank you.
Yeah.
Gloria et sa Père, Seigneur. Je vous remercie. Frères et sœurs,